crève la dalle. Mmh. Je viens de la sauce. Je vais mettre un peu plus, s'il te plaît. Il y a du parmesan ou pas? Je crois qu'il y en a. Attends, faites la queue, faites la queue. Oui, faites la queue. C'est bon, ça va. J'ai jamais mangé de ces bonnes pâtes. Adèle, vraiment, je te jure que c'est délicieux. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ouais, non. Ouais. Ça va? Ah, j'ai une petite histoire, là. C'est un ver de terre qui sort d'un plat de spaghetti en s'essuyant le front et qui dit « Quel parfum !» C'est joli. C'est joli, je suis pas joli. Mais c'est mignon. Ça, ça me fait un plaisir partagé. Comme on les aime. Est-ce que le plaisir peut vraiment être partagé? Bah. Il est à chaque fois différent en fonction des gens. Mon plaisir n'est pas le même que le tien. Oui, je ne trouve pas le même plaisir dans les choses que toi. Il y a quelque chose qu'on ne partage pas profondément entre mes femmes. C'est une qualité de plaisir qui est tellement différente qu'on n'arrive pas à la même réalité, au-delà de la jouissance. Pourquoi? C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi tu penses ça? Hein? Comment? Simplement dans l'observation. Parce qu'on fait des grimaces. Oh non. On est plus honnête. Non, mais j'ai pas peur hein, d'être plus honneur. Non, merci, c'est pas. Et vous, enfin, en tout cas, moi, à chaque fois que j'ai pu coucher avec une femme, eh ben, j'ai pu observer quelque chose qui n'était pas... Elle partait dans un au-delà. Voilà. Bah oui, c'est ça l'orgasme, c'est hors de son corps. Mmh. Oui, mais nous, on a un orgasme qui est extrêmement limité. Du coup, en fait, ce que tu penses, c'est que l'orgasme féminin est mystique, c'est ça? Ah, je suis absolument persuadée qu'il est mystique. On attend Je ne peux qu'entrevoir dans la frustration que j'ai de n'avoir qu'une sexualité d'homme. Bien que j'ai fait avec des hommes et avec des femmes, ça, c'est pas le problème. On me souvient de cette petite histoire-là de Tirésias qui, d'un coup, a eu la chance, lui, d'être homme, puis devenir femme, et puis redevenir homme. Quand on lui pose la question, est-ce qu'il y a une différence d'intensité entre le plaisir de l'homme et le plaisir de la femme, Tirésias répond de manière très très claire, s'il y avait 10 parts, 9 reviendraient à la femme et une à l'homme. C'est vrai, enfin, depuis qu'est représentée la femme en peinture, on représente son extase, on représente rarement l'extase de l'homme, où à chaque fois, il y a l'intermédiaire féminin. On voit des baigneuses, on voit... l'origine des mondes. Ouais, et quand même, les hommes se sont acharnés à essayer de le représenter, ça. Ça veut dire qu'ils l'ont vu. Ils l'ont imaginé eux-mêmes. Ils l'ont souhaité. Ils l'ont imaginé eux-mêmes. Ça fait totalement leur fantasme. Oh. Non, je pense que tu sais... Toi, tu penses que c'est basé sur... Ah ouais, on le voit dans les yeux. Vous avez des yeux qui regardent un au-delà. On n'a pas la représentation par des femmes, de cette jouissance des femmes. Ouais, c'est une trop bonne thématique. Une métaphysique qu'on ne connaît pas encore. Parce que c'est Un petit peu. Ça va, ça pique pas trop. Hein? Toi, t'aimes bien les choses qui piquent? Un petit peu. C'est vrai. Ça pique un tout petit peu, mais ça va. Juste ce qu'il faut. C'est vrai. Tu vois, Emma? Quand je regarde tes peintures avec Adèle, c'est ça que j'ai l'impression de voir. J'ai l'impression alors que moi, quand je ne pourrais jamais connaître ça de l'intérieur, puisque je resterai un homme quoi qu'il arrive. En tant que...